Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire, le raton et le chat. C'est l'histoire d'un raton qui habite dans le tronc d'un arbre et de son voisin. Un chat qui habite dans le tronc d'un arbre tout près. Waouh, ce sont des arbres quoi? Je vais avoir le verset. Bonjour, voilà qu'un chasseur passe par là, s'arrête au pied du deuxième arbre. Il le choisit pour étaler son fil de chasse. Il s'éloigne et attend patiemment l'arrivée d'un animal. Un moment plus tard, notre chat passe et marche sur le fil là. Il est fou celui-là ou quoi? Aussitôt, le fil se ferme sur lui. Et la pauvre bête se retrouve ainsi emprisonnée. Oh là là, comment il va faire pour s'échapper? Un peu plus tard, notre raton sort de son trou pour chercher sa nourriture, comme tous les animaux. Il marche prudemment en regardant à droite et à gauche. Alors, il aperçoit le chat, son voisin, dans le fil. Tout content, il s'écrie « Bien fait pour le méchant chat! Il ne pourra plus me faire du mal !» Puis, il lève la tête et voit un hibou au haut de l'arbre. Il a peur. « Si je retourne dans mon trou, se dit-il, je vais ailleurs, le hibou va me rattraper et me dévorer. Il faut que je trouve une ruse pour lui échapper. » Il réfléchit à un moment, puis il s'approche du chat. Comment vas-tu, mon ami ? Lui demande-t-il. Comme tu vois, répond le chat tristement. Je suis prisonnier et le chasseur ne va pas tarder à me prendre. J'ai une proposition à te faire. Laquelle ? Dis-moi vite. Je pourrais ranger les mails du fil pour te libérer. Regarde en haut de l'arbre. Il y a un hibou qui pourrait me manger. Si je te libère, il va avoir peur de toi et il va vite s'en aller. Alors, jure-moi que tu ne vas pas me manger. Je le jure, promet le chat. C'est d'accord. Allez, libère-moi vite. Voilà le raton qui se met à ranger les mails une à une sans se presser. En effet, voyant le chat prêt à être libéré, peur et s'en va rapidement. « Presse-toi, mon ami !» dit le chat. « As-tu changé d'avis ?»« Non ! Mais j'attends que le chasseur arrive, car je n'ai pas confiance en toi. Tu pourras me manger avant son arrivée. » Juste à ce moment, le raton voit arriver le chasseur. Et il libère le chat. Alors, le chat est tout content et remercie le raton. « Veux-tu devenir mon ami ?» lui propose-t-il. « Non, non, répond le raton. Le jour où tu auras faim, tu me mangeras. Vivons loin l'un de l'autre, c'est plus prudent. » Le raton a-t-il raison de refuser l'amitié du chat ? Pour moi, les amis, il a raison, car les chats et les souris sont des ennemis jurés. Au revoir les amis, à bientôt.